comme c'est un début, sans la fin, parce que ce qui m'intéresse, c'est surtout le début. J'ai l'impression effectivement de démarrer un petit peu, même si j'ai pas une projection sur le futur, mais de démarrer dans une autre époque. C'est bizarre à expliquer. Enfin, c'est disons comme un départ de Grand Prix où je me suis placé dans les trois premiers. Ce qui est déjà comment presque une victoire. En clair, si tu veux, je préfère avec le piano et pas avec la guitare. Maintenant. Je parle pour moi. J'ai automatiquement des images qui passent. C'est là où c'est pour ça que ce spectacle, j'ai à un moment j'ai envie de lui donner un nom. J'ai dit ça s'appellera La Route des mots. C'est les garages. C'est clair, j'aime bien être comme si je sortais de la rue pour aller. C'est ça? Ouais, donc. Pas être brossé. Ça sert à rien de. Vas-y. J'ai toujours eu le vertige de toute façon. Donc, ça passe par le psychique, ça passe par le physique. Enfin, c'est. Et c'est une manière de pas chercher spécialement à se contrôler, une forme d'inconscience qui fait que qu'à un moment, même si on est trop dans une surréalité, tout d'un coup il y a un moment d'hyper-réalité qui passe, et celle-là elle vous traverse, et il suffit de la ressentir très fortement pour comprendre que c'est la bonne, quoi. En 75, tu t'en rappelles? Je partais pas en 75, on me portait. Très très tôt avec mon petit groupe quand j'avais 15 ans et que je faisais du blues parce que c'est le blues.
blues qui m'a bercé. Être avec ma guitare comme ça, en solitaire aussi. Parce que tout est possible, hein, je veux dire, avec une guitare, on peut faire aussi des choses très belles. On peut faire un concert aussi avec une guitare, tout est possible. En fait, c'est un des arts les plus difficiles de la musique. Je ne parle pas de création, tu vois, de faire un album original, je parle pas de création parce que là t'es tout seul et donc t'es trop pour qu'à toi si tu vois là. Mais en 2002 là, j'ai attendu 27 ans en disant bon, dans 25 ans la technique aura, ça sera un top. Je pense qu'il faut attendre encore 25 ans quoi. Mais tu sais, moi j'étais comme toi quand j'étais petite, tu m'imaginais l'an 2000 d'une manière incroyable. Et puis, en fait, rien, quoi. Enfin, tout ce que je m'étais imaginé comme ça, ça n'a pas bougé. Je sais pas si les émotions ont changé. T'as l'impression d'avoir traversé d'autres émotions dans les années 80, 90. Je ne me souviens plus de rien. Décline à mes membres. Ça, tu t'en souviens? Bon, ben, je vais apprendre mes chansons, moi, parce que, comment dans 3 heures, je chante. Hein. On rêve toujours que tout soit de plus en plus beau, bien sûr. Il y a des moments qui sont plus magiques que l'autre. L'émotion qu'on projette, c'est... C'est difficilement palpable, analysable, quoi. C'est quelque chose quand même de très surréaliste. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à en parler, parce que je suis pas formaté pour ça. Ce qui compte, c'est l'émotion. Je l'ai rencontré sous un ciel si bleu. Pourquoi je vais fort? Pourquoi je vais fort? Ceux qui ont compris Aline sont aujourd'hui comme si elle était approchée. Donc c'est un cocktail de génération, quoi. Et c'est ça le merveilleux. C'est ça le truc. Aujourd'hui, ce que je trouve beau, c'est ça. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est assez étrange. Mais moi, je suis très fier de ma famille. Alors, ça y est, je vais t'interroger maintenant. Alors Non, parce qu'elle a répétitrice. Parce que dans l'avenue sous la pluie, moi, je... Quoi? Je vois. Jamais. Droit devant, toi, et puis alors, bousculé par. Ouais. Et c'est une question de source. C'est tout, c'est comment? C'est que ça, c'est. Parce que si t'as un beau son avec comment? Avec des belles nuances, tout ça, tu peux chanter n'importe quoi, après tu changes de truc carrément. Et ce mélange de tous ces gens qui, en fait, font le film, en mettant bout à bout les petits courts-métrages comme ça, d'essayer de faire un beau film qui se termine avec un beau générique, et puis plein de rencontres qui sont faites, quoi. C'est toujours là.
la recherche, c'est ressentir des choses plus faibles par rapport à des choses fortes. Savoir faire le tri, quoi. Ça donne envie de faire toujours plus beau. Je sais pas comment ça se passe dans le cinéma, tiens. Du plaisir à chanter, et puis voilà, bah ça s'explique pas, et voilà, sans chercher à expliquer l'inexplicable, parce qu'il y a beaucoup aussi, le hasard est un don.